Let's hope, let's hope, let's hope. Se lievito, qui qua sta. On est à toucher. Arrête de tirer ce truc. Ça va me rendre sourd. Well, for now. Rouille-toi, Vito. On peut pas laisser le gros s'en sortir. For now, ouais. Bon, d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Fais gaffe, on arrive, gros cul. Quel gâchis toute cette gnôle. What? Ok. Fuck this shit. Qui va cramer. Quel gâchis toute cette gnôle. Ok. Vito, t'arrives. Faut pas traîner. Oh non. Okay, let's see if it's still messing up with me.
Wow. Okay, should be working. Okay, vas-y, appuie, Tito. Where? Oh. Okay, it's working. It's working. Sorted. Qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif. Et c'est du bon. On va un peu? Non. Y'a quoi pour boire quand ça pète de partout? Les voilà! Bougez-vous! Faut pas se laisser coincer ici! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il tire dessus, cet enfoiré! Vito, bouge-toi! Tu ferais quoi, soldat? T'as mal choisi ton homme, petit! Voilà. Ce qu'il faut faire. Allez, le gros cul est en haut! T'es pas mort de peur, putain! Jesus. Brûlé des bébés. Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites pas ça! T'aurais dû penser à ta femme. Je l'aurai ce que vous voulez! Faites pas ça, s'il vous plaît! Donne Clemente de sa lumière. Oh! Merde! Putain! Henri, ça va? Putain! Tu as touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans la tête, enfoiré. Oh. Mais attends, c'est vrai, je suis dans le sang. Faut que j'aille chez le Gréco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, okay, petit. Okay, reste calme, c'est comme si on y était. Le Grec, quoi, il vit à Aibo. Le Grec dans la bataille. Madame, t'es plus lourd qu'on a l'air. Ce gros con. Il a failli m'exploser les couilles. Mais non, ça va, les couilles ont rien. Ça fait mal. Dis donc, si ça te plaît pas, tu peux toujours marcher tout seul. Ça va, c'est pas la peine de t'exciter. C'est moi qui perds non. tout mon sang. Il me fait non. peur. Je veux pas crever. Allez, Vito, andiamo. Putain, mais qu'est-ce que t'attends? Quoi? Tu vois pas qu'on peut pas prendre l'ascenseur? Allez, Vito, andiamo! Putain, mais qu'est-ce que t'attends? Oh merde! Oh! L'immeuble est en train de s'effondrer! Vraiment pas qui t'a affaire, fiston. Vas-y, vas-y, je te couvre. Putain, mais c'est pas possible. Ce gros con. Il a failli m'exploser les couilles. Mais non, ça va, tes couilles ont rien. Toujours marcher tout seul. Bon, bon. Ça va, c'est bien. Oh, il
L'immeuble est en train de s'effondrer. Moi, je sais pas. Chut, vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche. Bienvenue. Ouais. Ça fait longtemps. Pour le gars. Comment ça va? Ouais, ce jeu est génial. Ils l'ont remasterisé pour la Play 4. Du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hein. You're here missing. You did. La policía. Oh boy. Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite. Faut qu'on sème les flics. Putain, je vais aussi vite que je peux. Bah, c'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. Can you ban me, strange motion? Oh my god, no! Don't... You want me to... C'est qui ce gars? Don't listen to him. He's a joke. He's a joker. Don't do that. Sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Hey. You wish to be banned? De plein de gars dans notre secteur. That's pas your dream. Tu te retapes toujours vite. Ça doit être ton régime. Oh boy. Oh shit. I just died. I'm washing my hair still here. Just maybe slow on replay. No problemo. We need to be. Stock, j'y passe. Hé, dramatise pas, hein? C'est rien du tout. Le dog va faire quelque chose. Ouais, on ira tous en boîte fêter ça, hein? Je crois pas. Chut, vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. Pas vrai? On dirait ma grand-mère au volant. Poursuivant suspect armé, nous tirons à vue. No. À y aller avec les flics au cul. Faut que je sème les flics. À y aller avec les flics au cul. Ah. Non mais. Continue comme ça et Henri va y passer. Try not to run into people, to drive into people, but they're just... Okay, I could have just... Fuck. Okay.
Allez, à cette vitesse, j'y serai avant toi en courant. Bah écoute, c'est ton véhicule qui est nul. Every time I kill myself in the bridge in this game, do you? Like this bridge? Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite! Wait, hey! Faut qu'on sème les flics! Putain, je vais aussi vite que je peux! Bah, c'est pas assez! Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas! Emmène-moi chez El Greco, putain! Hé, hey, accélère ou Henri va y rester. S'il meurt, c'est toi qui l'enterres. I need to know the road of damned. Oh, the road of banned people. En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. Lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Et pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars, etc. On aura pas besoin de passer le voir, Vito. Tu te retapes toujours vite, toi. Ça doit être ton régime. Oh shit. Oh shit. Oh boy. Ok. Bordel! Mais t'es con ou quoi? Hé, hey, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Oh, ça sent la moussaka, je te jure! Allez, avec les flics au cul. Si tu veux que j'aille plus vite, rends-moi un service. Et voilà. My category disappeared again. Did it? Oh shit. Let me fix this in a bit. In a bit? I'm going to do that. Just need to get rid of the poly. Of the poly, see if they can leave me. Wait, what? Henry is dead! No way. Well, let me fix the category thingy. Henry! Stop, j'y passe. Hé, dramatique, hein? C'est rien du tout. Le doc va ouais. Ah, tout s'envoie de la tête. Je crois pas. Chut. Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. Oh boy. Oh my god. Yo. You watch videos of people getting banged? Oh my god. Oh no. I know that's your autocorrect, but this made me laugh so much. Tu peux pas aller plus vite. Faut qu'on banging people. C'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. I'm trying. How far is this guy? Okay, up close.
fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. Lui file quelques billets, il te met sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Mais pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la bouche, tu préviennes les flics. Ouais. Because you see. Pas besoin de passer le voir. Don't like the truth. Faut être en régime. Oh boy. Oh dear. Hey, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. That was something. Oh, ça sent la moussaka, je te jure. Please don't die on me anyway. Vito, là, cette maison, garde-toi devant. It's the sister I misinterpreted what she said. Just non, typing for her, she's peintre, washing Poitier, her hair. Oh! Hello! Hello, Leo. How are you doing? Banged. You banged people. No, no one is getting banged over here. More bun for the better life. Oh! Don't get burned again. Oh, 200! I have enough money for my mother. Oh, I'm fucked. Because that car is, Wait, I need to go to the bathroom. Be back in a bit. Thank you.
I'm back. Hello. Yo. Welcome to the stream, Strange. That's strange. From Beanie, I'm glad you guys know I have a sister. You're so trolling your sister right now. I was like, we were doing what? What? That was a whooper of a typo up there in it. Okay. Alors comment le remaster? Bah, il est plutôt bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Bon, oula. Faut pas que je me fasse attraper par la police. Non, non, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Merci. Je vais changer de véhicule immédiatement. Ah mince, je me sens bien. Très bien, des petits bugs par-ci par-là, mais ça va, il est bien. Très bon jeu. Good.
Mid-trip. Allez, là. Oh. Stop it. Yeah, that's the right one. Celui-là, je l'avais sur Xbox 360, on me l'avait offert. Moi, je l'avais eu sur la Play 3 à l'époque. Et il était déjà très bien. Et là, le remaster, il y a juste un petit bug au niveau de du chapitre 4. Mais sinon, à part ça, ça va. Vito, salut, comment tu vas ? Agréablement surpris. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito ? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets ? Non, non, t'inquiète pas. Tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas. Je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien. Tu vas lui mentir. Fais attention à toi, Vito. Le 3, j'ai moins kiffé. Ouais, le 3, moi non plus, j'ai pas du tout aimé. Enfin, il est bien, mais après, il est un peu trop répétitif à mon goût. Et sinon... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ma voiture. Ah. Et sinon... sinon, ouais, y a un petit rajout rapide. Il y a juste le véhicule de Lincoln dans le trou, dans celui-là. Là. T'as sa veste. Oups, qu'est-ce que je fais ? Enfin, t'as son. T'as sa tenue complète. Et. Pardon, excusez-moi. T'as sa tenue complète. Après, au niveau des couleurs, bah, c'est ils ont bien refait le remaster est bien fait à ce niveau-là. Ils ont, ouais, je crois qu'ils ont bien tout refait propre. Hein. Attends, je vais te montrer ça. Voilà, donc, voilà. T'as le véhicule de Lincoln. Bon, après ça c'est les véhicules normaux. Et après, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ouais, les persos ont été remasterisés. Enfin, au niveau de l'image, tout a été refait. Ouais, tout a été bien refait, je trouve. Là, t'as ça. Enfin, c'est... Ouais, si tu veux voir quoi ça ressemble. Ça va, c'est cool, c'est marrant. Bon, je le mettrai pas. Après, Mais après, ouais, je te conseille de le refaire. Enfin, là, ça me gêne pas d'y rejouer. Il est bien fait. L'histoire est cool. Enfin, on s'en lasse pas. Ah, t'avoue, c'est cool, hein, qu'ils aient rajouté ça. Après, je sais pas, au niveau du 3, s'ils ont rajouté la tenue de Vito ou pas. Hop. Et... Ouais. Oui, oui, oui. Mais après, je le trouve toujours aussi bien. Hein. Genre, l'ambiance est bien, l'histoire est cool. Bon. Qu'est-ce que c'était ? Il y avait un truc à ramasser. Ah non. Allumer le ventilateur. Ah. Ce ventilateur. Ouais. Ouais, voilà. Il y a tout qui est bien. Tout qui est bien dans ce jeu. Tout qui est bien. Prends-le. Je sais pas ce que t'as comme... comme console, si t'as la Play 4 ou autre chose, mais je crois qu'il est sur Steam. Non, j'ai pas pris la trilogie parce que je sais que le 3 je le ferai jamais, et le 1
Le 1, je sais pas, j'hésite, j'attends de voir, parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je vais essayer de me renseigner un peu, et je regarderai après s'il m'intéresse ou pas. Mais j'ai pris que le 2. Hein. Vito Scaletta ? Ouais ? Vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Oui, c'est vrai, qui va finir en prison. Un des pompistes servait d'indique à la police. William m'avait dénoncé, ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Du coup, ça veut dire que le 1, il est déjà... Parce que je crois que j'ai vu qu'il est pas encore sorti et qu'il va sortir un peu plus tard. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Alors attends. Et il faut dire, ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, Monsieur Scaletta, l'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. Le pénitencier. Ça, c'est vrai qu'on finit en prison, quoi. En pas longtemps, mais on y est. Bon. Ça lag un peu. Le pénitencier. Voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Un peu plus malin avec moi. Le 1 a pris cher niveau graphisme. Bah, c'est vrai que je sais pas. Après, ils ont prévu de tout... de le remasteriser complètement. Mais... Ok, on est en première personne. Mais ouais, je sais pas, je sais pas du tout. Je vais voir, j'ai regardé s'il y a des vidéos ou quoi par rapport à ça. Parce que l'histoire du 1, je la connais pas du tout. J'en sais absolument rien. Parce que j'ai découvert que Mafia 2. Il est sorti sur PS3. Et c'est tout. Allez, bande de connards! Tu veux jouer à ça, fils de pute? Désolé. Qu'est-ce qui marche? Je peux pas. Toi, pas comprendre français? Toi, grand professeur! Ouf. Quoi, comme ça, à ce point? T'es merdeux! Je me suis franchi. Moi sur PS4, mais vas-y, prends-le. Hein. Enfin, après, il y a. J'aime pas trop m'inquiéter. Un 29. 29,99, je crois. Et ça va. Il y a pire. Je crois qu'ils ont rajouté les DLC avec. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Je sais pas comment ça va se passer pour les DLC. S'il faut que je finisse le jeu d'abord. Et après, ça se débloque. On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermé ici parce que vous n'êtes pas foutu de vous comporter dehors comme des êtres humains. Petite moustache. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça, oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette.
Alignez-vous et suivez-moi. Ouais, genre tu vois, il y a des personnages qui sont pas remasterisés. Genre la moitié du jeu, il y en a qui sont faits, d'autres pas. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être une flemme. Bienvenue au salon de beauté. Ouh. On va vous rendre plus belle que jamais, mademoiselle. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. La gueule, crâne d'œuf. I think I'm mixing this game up with the Godfather game. Hey, fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau. I don't know how the Godfather looks like. I've never played it, but I've heard about it. And some characters do look like. Écoute, mon mignon, si tu fais pas tout ce qu'on dit, some of the Godfather. There is one looking like Sonny from the Godfather 2. I think this one is the best one. No, the first one. Second and first. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Je vais voir car 30 balles ça va. Ouais, ouais, 30 balles c'est nickel hein, pour un jeu comme ça. Ouais. Je pensais qu'il allait le faire à 40-50 euros. Ouais. En fait, ça va, ils ont été gentils. Et ils sont tous à 29,99€, donc le complet. Par contre, un peu moins. Enfin, ils ont pas fait le gros truc, ils ont fait à 40. Non, à voilà 50 à quoi et quelques. Ça ressemble à ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la vis. J'aurais encore préféré me faire trouver la peau en Europe. Trois jours plus tard. J'ai passé trois jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, Steve pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Et que j'attends The Last of Us. Allez, il va où? C'est bon, tu t'es pas fait trop spoiler par rapport aux leaks qui sont sortis. Je cherche un gars, Léo Galante. Hé, hey, mec! Dégage! Ok. Je cherche un gars, Léo Galante. Casse-toi d'ici! Ok. Je cherche Léo Galante. Tu sais où je peux le trouver? Viens pas me faire chier! Ok. Hé, hey, mec! Dégage! Ok. Hé, hey, faut que je parle à Léo Galante. Tu veux bien me montrer qui c'est? Si tu tiens à ta peau, arrête de me faire chier tout de suite. Ok. Je cherche un gars, Léo Galante. Viens pas me faire chier. Je crois que Léo Galante, il est là-bas. Je cherche un gars, Léo Galante. J'ai rien à te dire. Ou pas. Merde, ils sont pas très accueillants par ici. Merde. Non, le nom ne dit rien. Ok. Léo. Je cherche un gars, Léo Galante. Connais pas. Personne connaît ce Léo Galante. Je suis maman. Je cherche un gars, Léo Galante. Toi, trouvez ce que toi cherchais. Patience, petite sauterelle. Je te connais, toi. Mmh. Oh. C'était toi dans la bijouterie avec ce comte Barbaro. The Irish guy. C'est à cause de toi. Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré. Je le savais, les gars. Ma mère me l'avait dit. Dieu existe. C'est lui qui t'envoie, sale métique. Moi, je te remercie. Je te dois bien ça. Tant mieux, moi non plus, j'ai rien de regardé à part le premier trailer qui était sorti. Et si on parie ? À part ça.
Rien de tout. Je vais te laisser en demi. Mais... Amène-toi, espèce d'abruti congénital. Ah, je sens que ça va me plaire. C'est du gâteau comparé à la fois où j'ai enfoncé une patate dans le cul de ta mère. Les petits pas. J'avais bien fait des ça, les PD. Ok. Je dois y aller à la prochaine. Ça marche, à la prochaine. Et merci à toi pour le follow. Ça fait plaisir. À très bientôt, passe une bonne soirée. On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Oh, and which, if you want to try this one, you can. That's a game I'm telling you. Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais... Maybe like to play. I don't know. Je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Deux jours plus tard. Vous comptez le garder là combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre ? Ouais, je crois. Les gars ont pas dû trop en rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler. Ouais. J'assure pas la protection de ces gars ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait. O'Neill. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, Kip. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neill. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars, faut s'y mettre sérieusement. Ok, aujourd'hui, on va travailler tes contres. Vito, je veux que tu frappes Pépé. Essaie de lui démonter la mâchoire. Pépé, tu esquives son coup comme je t'ai montré, et tu en profites pour lui balancer du lourd. Allez les gars, on commence. Okay. Did you play my flat 3? I got that one free. I did play it, but I didn't really like it much. Tu tiens, Pépé. Oh. Baisse-moi cet énorme menton, bordel! Jeu de jambes, Pépé! Oublie pas le jeu de jambes! Une bonne défense peut faire la différence, parce qu'on peut tout perdre sur un mauvais coup. Ah... Wait, what? Yeah, I didn't like Mafia 3. I think... Shit. I think I... Oh, shit. What? Il est bon, ce petit. Wow! Okay. Eh ben ça alors? Hey! Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à place.
Yeah, I think I stopped maybe not even half through the game. T'es des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Annoyed by the fact that it was only the same missions over and over again. Joli! Joli, petit, joli! Place-en encore deux comme ça! Ok. Allez, un autre Vito. Aïe. Ah. Boom. Yeah, that's the only problem I have with this game. Joli. Other than that, this was a good one. T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Bon boulot. I'm sure the story was good and well done, but I didn't give it much attention. Bah, en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gourino. Dire que ce con Gourino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi votre accord? Mosquitoes are back. Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5000. Quoi? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Quoi, c'est plus que le prix? Ouais, 5000 de plus que d'habitude. Y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... la vie, quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui? Quoi? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Oh, I'm not even sure if I did half of the game. I think this was more like a quarter. Salut, ça va? Je m'appelle Vito. Sam, salut Vito. Comment il sait tout ça sur la boxe du Galante? On dirait pas regarder mon corps. Ça est un sacré boxeur à ce moment. Ah ouais. Allez, tu m'en fais encore faim. On raconte qu'il se battait à Manu avant de passer professeur. En tout cas, je suis content qu'il organise ce Mosquitoes are back. They are biting me. Mais quand même, il doit se faire une fortune sur les paris. Jesus. Hate them so bad. Oups. Super, beau boulot avec cet enfoiré d'O'Neill. La prochaine fois, brise-lui la nuque. On le regrettera pas. Don't eat our squishy custard. Bon boulot sur le ring, mon pote. Continue Don't comme ça, tu auras ton propre combat. No. They are biting me. They are taking all my blood. Allez, salut, comment va? Bien, comment tu vas, Vito? C'est sale. Bon boulot sur le ring. Ouais, comme ça. Comment va? Moi, c'est Vito. Ouais, je sais. Moi, c'est Al. Content de te voir. Continue. Winston propose Pépé à 2-1. Si Pépé était pas mon pote, je mettrais tout sur l'autre. O'Neill, c'est un vrai malade. Close the window. Because I feel like they're going to go after me all night. Ah, oh, Jesus. Okay, let's go. Oh. Fais attention à toi, face de lait. Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard. Galante, le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur. Tricheur? Mister Who? Rien si ton gars a perdu. Dans the pots and pans sound like it's coming from inside your house. Ça doit pouvoir s'arranger. No, it's et not. D'attaque, moi? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord. On dirait que tu vas l'avoir. Oh, mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. I don't know why they keep biting me. Why do they want my blood? Les Chinois sont du genre rapide. Pas la peine sweet, de balancer de gros coups au début. Tu toucherais pas. Leave my blood alone. Qu'est-ce que je fais, alors? Des petits coups rapides. Et tu le fatigues.
Quand il faiblit, il baisse la garde. Et là, tu le pilonnes. Allez, vas-y, montre-leur ce que tu veux. Ok. Comment faire des rouleaux de printemps de votre mariole à la mort moelleux. Pour squishy. Yes, pour me. A minute. Ah, hey. Ooh, okay. Okay. Ah, toi vouloir apprendre ce style? Okay, okay. I got it. We need to kill that thing as soon as possible. Okay. I see it. Fuck this. Oh shit, I forgot. Hey, cogne-le fort comme ça! Mais plus vite! Cogne-le comme ça, voilà! Bien, bien, bien! Ok. Ok, ok. Ok. Vas-y, tue-le! Dépêche-toi de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Allez, cogne, comme ça! Cogne-le, allez, cogne encore! Holy shit, I'm toast! I'm in jail again. Ben, ne pense qu'à l'état, t'es déjà en retard. Oh, ok. My neck and my arm was itching. Jesus. I just killed him. Oh, you're done biting me. The mother shrimper. Jour de repos pour Vito. Cadeau de Monsieur Galante. IG. Et t'habitues oh, okay. Pas trop ce qu'elle est. Allez, viens avec moi, Vito. Quoi, on va encore s'entraîner? Ouais, enfin, tu vas voir. Bonjour. Bonjour, Monsieur Galante. On s'entraîne pas aujourd'hui? Pas vraiment. Les Noirs nous ont lancé un défi, et je ne veux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill. Alors, je veux que tu combattes. Ça te fera un bon entraînement. Allez, suis-moi. Of course. Of course, of course. I'm going to fight. Oh, bon, rat. Le type que tu vas boxer a de gros muscles, mais un petit cerveau. Il se bat avec ses tripes, pas avec sa tête. Si tu l'énerves, il baissera sa garde. Et là, tu lui envoies tout ce que t'as. Allez, c'est parti. Sois digne Big de moi. Brain. Oh, regarde, un petit blanc tout maigre, ils les nourrissent plus à l'école. Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus. Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir ce cuit? Ok, let's go. Hé, hey, réveillez-le, votre cocard. Je dirais que c'est l'heure de sa sieste, là. Okay, have a nice dinner, Willy. So I'm going to end the stream in a few, because I need to eat as well. Lui, il aura une chance de l'emporter le jour où un noir sera élu président. Oh merde, putain! Ma grand-mère se bat mieux que ça! T'inquiète, Vito, il est à vous, il en peut plus, il est à toi! Non, 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 non! Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir trop cuit?
au cou, mais ça mord pas, comme la dernière fois. Non, allez, Vito, tu le chopes et tu me le finis. C'est le moment, petit. Fais-lui boire 36 chandelles. Hé, hey, réveillez-le, votre... Ok, another one. Super combat, petit. Super combat. Voilà ta part, Vito. C'est bien mérité. Damn it. Oh, on va avoir de visite. C'est quoi ce bordel? Une convention d'enfoirés? C'est bon, amène-toi à Scaletta. T'as une visite. Got a visit, a visit, visit ici. Oh, le Sestra. Salut, Franny. Comment tu vas? Ça va bien. Très bien, merci. Alors, quoi de neuf? Sestra is back. J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. What? Don, génial. J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... Je suis content pour toi. Vito, tu es ici. Regarde-toi. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, j'ai déjà eu droit au serment du juge, hein. Alors, te fatigue pas. Ok? Laisse tomber. Vito, ce n'est pas tout. C'est Mam. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle va? Why are they nodding so much? Because they are Italian. They nod a lot. Bon, Franny. Va voir tout. That's how it is. C'est lui qui a mon argent. Et lui, le meilleur docteur de la ville. Like, hey, see, see. Le reste, c'est pour cadeau de mariage. Vito. Non, c'est pour toi. I'm getting married. Ouais, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Okay, that's a bad Italian accent. I'm sorry for Italian people. Bon, occupe-toi de maman. Dis-lui que je l'aime. Connie. Merci, Vito. One week later. Allez, Scaletta. Les chiottes vont pas se nettoyer toutes seules. Plus tard, exactly. Bonus of the tard. Okay, let's clean the toilet. C'est toi la nouvelle femme de ménage? Suis-moi. La 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 la. Hey mec, arrête ça. Hey, tu feras tes exercices. Oh la 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 la. Putain, c'est le deuxième truc le plus dur que j'ai fait. Ça se passe ici, manque-toi de me faire briller tout ça. Sweet. Vos gueules, stop, fermez-la! Tous! Calme, les gars. J'essaie juste de pas perdre la main. Oh, ok. Clean the toilet, clean the toilet. Les toilettes, les toilettes. Jesus. These are the worst mosquitoes ever. We call them tiger mosquitoes. They are huge as fuck. Qu'est-ce que t'as? Continue, sinon. Oh, okay. Can I move? Hey, celui-là, il a pas l'air nickel. Renettoie-le. You meet a spotmate. Yeah, exactly. He's peeing and then telling me, oh, you missed a spot. D'accord, c'est bon là. Maintenant tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches. Allez, on y est, Scaletta. Fous-toi à poil et fais t'écurer un peu, ok? Ok, let's take a shower. Hmm.
Let's take a sweet shower. Let's have a sweet shower, my friend. A shower with your pants on. Interesting. Allez, assez feignassé, maniez-vous le cul. Eh, Frankie, on a une petite affaire à régler entre nous ici. T'as pas envie d'une clope? Amusez-vous bien, les potes. Vous avez 5 minutes. Oh, dear. Je vis cicatrice, mon ami. Oh non. Les non. Désolé, les PD. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce, de la manière forte. C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Si ok. Ça pas, et bah t'as qu'à te branler. Ok. Ok. Tu veux la manière forte. Ok. On va se marrer. Viens là, mon mignon. Vas-y encore, fesse d'angle. Merde. C'est pas, hein. Mike Budget, pas mon temps. Do it. Oh, shit. Ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Allez, envoie-le au tapis. Le mets pas KO, je veux l'entendre hurler. That's a little bit annoying as a fight. Shit. There you go. Oh, okay. Non. Mama est morte pendant que Francesca était ici. Oh, j'ai... Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, mon argent a servi pour l'enterrement. His mom just died. Monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. What's content with the Hitler stache? I know, right? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Irlandais aiment pas les combats royaux. Il y en a deux qui se sont fait baiser hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que deux. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Les gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigé ? Ouais, ça marche. Bon, alors suis-moi. Oh, is that strange, or is that... J'attends dehors. Your sister. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer.
O'Neill, on a un petit compte à régler tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Ok. More fighting. Allez, viens par là. Oh. Gee, I keep blocking with R1. Ah, t'as perdu tes couilles? Fuck up. Oh. Encore, plus fort. Je crois pas, non. Tu tapes comme une fille. Oh, it's me. I've been back a while now. I won't trust her with filling in for me again. She had one job. Yeah, that was pretty funny to hear what she had to say. Like, Willy and you watching bang, people get banged. This may be love so bad. Oh, it's not over. Recommence, petit gars. No, I can see. Crever, debout. J'ai pas encore fini. Shit. Couldn't see anything. Allez, viens par là. Okay. Calm down. Je crois pas, non. Recommence, petit gars. Il y aura pas de garde pour te sauver. Shit. Fuck. Ah, t'as eu ton compte. Shit, damn it. Oh. Encore, plus fort. Ah. Tu tapes comme une fille. Come on. Okay, I think I'm good. Putain, t'es fait en quoi, toi? Va falloir frapper beaucoup plus fort, Billet. Okay. Get this. Cette fois, je vais... Debout! J'ai pas encore fini. Et je fais pas de cadeau, cette fois. Oh, a knife. Oh my god. Little bit violent. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule. Enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi, Vito, quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle? Je sais pas. Mais en tout cas, pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi, c'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat, surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui? C'est pas Clemente, le patron? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, il y a plusieurs familles dans cette ville. Trois, même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc, quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir des ennuis? Non, tu crains rien. T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. T'es exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du grand conseil? Il y a deux autres boss à part Clemente. Il y a Carlo Falcone, et l'autre, c'est Frank Vinci.
Carlos, c'est le jeune. Il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin. Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous, vous les connaissez? Oui, tu peux le dire. Je suis le consigliere de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé, viens là. Goûte-moi ça. Chapitre 7, à la mémoire de F. Potenza, Empire B, 10 avril 1951. Galante n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt, 3 ans et demi plus tôt pour être exact. Joe venait souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais... quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Ok. So, it's time to end the game for today. And we should get back to everything. Maybe tomorrow or another day, or I don't know. But anyway, thank you for joining. Merci à ZebDog 123, B-Boy Beef pour les follow. Où nous sommes maintenant à 32. Sur Twitch, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein? On est bien, ça avance petit à petit, lentement mais sûrement. Et voilà. Donc bonne soirée à tout le monde, bon mercredi, passez une bonne soirée. Au revoir.